pendant ministre pays l'Allemagne, qui c'est ministre économie en ayant visite aux États-Unis, eh bien, li mande la pour renforcer aide pour pays Ukraine et li frappe Congrès américain très fort, mandé pour débloquer eh bien 60 milliards de dollars ça qui bloqué depuis un pile temps pour soutenir pays Ukraine. M'bral détailler information ça pour une vidéo. Prends chaise bon chita dossier yo papiti. Président République Tchèque là monsieur Peter Pavel eh bien lui annoncé Ukraine capable recevoir dans quelques semaines 800 000 obus d'artillerie achetés à des pays tiers dans le cadre de son initiative financée par une coalition de 18 pays. Ça encore m'bral détailler bien détaillé pour vous même les ou pas de courant ou doit toujours au courant. Franchise bo chita. N'te parle ou de Valérie Zaloujny, eh bien qui c'est nouveau ambassadeur pays Ukraine dans pays Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. En tous les cas, franchise bo chita, dossier yo en pile, moi salue chaque patriote haïtien, eh bien dans international là, grand supporter yo qui pas jamais la qui travaille là, eh bien me souhaite nous kembe travail là en terme pour qu'elle toujours existe et nous capable au courant de tout ce qui a passé dans le monde là. Oui, en visite aux États-Unis, le ministre de l'économie allemand plaide pour renforcer l'aide à l'Ukraine alors que le Congrès américain bloque toujours l'enveloppe destinée à Kiev. Les pays occidentaux doivent apporter à l'Ukraine les soutiens promis, sans quoi les pertes seraient vaines, a plaidé le ministre de l'économie allemande, M. Robert Habeck, lors d'une rencontre à Washington avec son homologue américaine, Janet Yellen. Le soutien à l'Ukraine ne peut pas, ne doit pas faiblir, c'est un moment décisif, a-t-il souligné avant un entretien bilatéral. M'pa konn sa k pou al passé. L'Europe bouke fait pour Ukraine. Mais on connaît États-Unis c'est un pi gros bête qui gen dans monde là, l'aile du la vide milliards sur ou. C'est pas 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60 jusqu'à 100 200 milliards la vide l'argent sur ou. Surtout si ça va faire dans l'intérêt, on l'a vidé l'argent net. C'est une promesse que nous avons faite au peuple ukrainien. Si nous n'apportons pas le soutien, alors toutes les pertes se révèlent, a encore déclaré Robert Habeck, ministre économie allemande, dans le pays les États-Unis de Joe Biden. Les autorités ukrainiennes insistent sur le fait qu'elles ont désespérément besoin d'une aide militaire et financière supplémentaire. L'Union européenne, après des tergiversations, a finalement réussi à débloquer une aide de 50 milliards d'euros début février, mais côté américain, une enveloppe de 60 milliards de dollars reste bloquée depuis des mois au Congrès américain, où les républicains proches de Donald Trump s'est opposé. M'vlo attirer attention. 50 milliards de dollars pays l'Union européenne, c'est pour plusieurs années. Mais 60 milliards de Biden n'a dit qu'à briller le coup pour 2024 là. Dossier yo en pile et bataille ça moun a tombé tant qu'ou la pli, garçon pas campé, femme pas chita. Ces âmes captivées. Map Jambé, président République tchèque là, Peter Pavel, eh bien, lui annoncé que l'Ukraine gagne possibilité pour recevoir 800 000 obus dans quelques semaines là. Eh bien, yo acheté yo dans l'autre pays. Yo acheté yo dans l'autre pays. Eh bien, dans 4 initiatives qui financées par une coalition de 18 pays.
Les parler de 18 pays, hein? Pas oublier de dire qu'un groupe pays l'un a entré dans l'autre qui a fait plan si vous pas gagné au bis la caille pour acheter dans l'autre pays pour bailler Ukraine parce que vous pas voulu Ukraine, eh bien, rester sans au bis, même voulu citer quelques pays parmi 18 qui prennent décision ça. Et de mon côté, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, etc. font partie des pays contributeurs. C'est 18, oui, même pas guetant pour toutes. Nous avons réuni la somme complète pour acheter l'ensemble des munitions, a dit M. Pavel à la presse, sans préciser les montants. 800 000 obis, mais yo pas bay montant yo acheté yo. S'il n'y a pas de problèmes fondamentaux, les munitions pourraient être livrées à l'Ukraine dans quelques semaines, a-t-il ajouté. Monsieur Pavel, ancien général qui fut président du comité militaire de l'OTAN, avait détaillé sa proposition lors de la conférence des ministres sur la sécurité à la mi-février. Au milieu février, me dire, il y a un groupe pays qui te prend décision pour ça. Eh bien, c'est Mister Pavel, et qui est président de la République tchèque, là, ancien président du comité OTAN, et comité militaire OTAN. Eh bien, M. Silla, lui-même, il prend toute décision là, eh bien, pour vivre des âmes sous pays Ukraine sans arrêter, c'est gros causé. Avec d'autres partenaires de l'Alliance, donc le Danemark, le Canada, la République tchèque avaient identifié 500 000. Munitions de calibre 155 mm et 300 000 munitions de calibre 122 mm disponibles dans des pays tiers. Il fallait d'abord rassembler 1 milliard de dollars, qui égale à 900 millions d'euros, selon les Financial Times, pour financer cet achat. Pays sérieux était pays sérieux, il a pris décision de tabaye malgré la situation, et bien il a fait tout ça, il connaît pour le bail. Gagné dans pays tiers, les autres pays tiers, pays yo pas membre l'Union européenne. Gagné 500 000 obis d'artillerie qui gagne calibre 155 mm. Gagné 300 000 encore jeune de l'autre côté qui se calibre 122 mm. Est égal à 800 000 obis d'artillerie a fait Ukraine assez bien. Mais pour yon gagne li, yon demandé un budget yon milliard de dollars qui égale 900 millions d'euros. L'initiative devait permettre de pallier les carences de l'industrie de défense européenne qui peine à répondre à la demande d'obus d'artillerie de Kiev face aux avancées russes. L'Union européenne s'était engagée à livrer à l'Ukraine 1 million d'obus avant mars, pourtant seuls 30% d'entre eux ont été livrés selon les autorités ukrainiennes. Nan obis sa yo, Ukraine te trompé. Les Union européenne te dit la bal yon million obis nan un an, li pense c'était bagay piyay. Non, c'est yon quantité gratuite, et puis l'autre quantité a Ukraine a payé li, mais Ukraine te met nan tête tout gratis, l'Union européenne dit non. Eh bien, ouè ki jan yo entend yo, yo sacrifié yo pour l'Ukraine. Nous-mêmes, tous nous avons des pays qui ont sacrifié pour Haïti, tout, mais nous ne pouvons pas rejoindre. Zaman, Katel qui bat, oui. Depuis le Pakatel, il a toujours fait semblant d'aider parce qu'il a un intérêt là. Mais, ou après le Pakatel, oui. Gardez bel geste Poutine fait à Mali. Gardez bel geste Poutine fait dans la République centrafricaine. Gardez bel geste qu'il fait en Afrique du Sud. Gardez l'autre bel programme qui prépare pour un pile l'autre pays. Ou imaginez, vous avez des gens qui ont étudié dans le pays la Russie, fin fait toute expertise sur l'autre bois là, et puis vin aider le pays. États-Unis, depuis vous allez au pape tourner. Mais la Russie dit même la que vous voulez que vous parlez, la voie vous tourner pour vous aider. Non. Donc, Pam c'est Bolivar, l'amour pour nous, pape jamais fini, mais numéro 1 pour nous, nous avons ici pour vous, parce qu'il travaille à besoin de support, et nous connaissons raser tout, eh bien, merci tout le monde.